Bien, alors, on pourrait dire qu'on va s'attaquer ensuite aux quêtes principales, mais même pas en fait. On va d'abord aller à la ville d'à côté. Et j'ai bien dit ville, étant donné que là-bas, on y a tout de même une quête secondaire. Donc l'opération sauvage n'y sera pas pour tout de suite. Je vais tout de même vous montrer quel est le chemin le plus court pour se rendre à Treehorn Valley. Remercie mon accent anglais, s'il vous plaît. Allez, drive-by, mon gars. Non, faut que j'arrête. Les charnues, il n'y en a pas à tous les coins de rue. Alors là, du coup, on y voit une ville sans alimentation. Voilà, vous voyez. Il n'y a rien qui est alimenté, même pas ça. Auto-job. Lecture du message enregistré. Laisse en pitié, nous font la peau. Fin du message enregistré. Dégage-toi ma voiture. Sans pitié, ont ravagé cet endroit après que Roland les ait virés de Sanctuary. Tu pourras peut-être rétablir l'alimentation si tu réactives la pompe à vapeur. Je vous ai dit que j'adorais les Teddy Or. Bien, alors il nous suffit d'appuyer sur un bouton pour rendre la quête en fait. Quoi encore? La pompe à vapeur est en rade elle aussi? Je vois d'où ça vient. Et je vais y aller doucement pour que tu piges bien. Je me lance? Elle est complètement déglinguée. Tu ferais mieux d'aller piocher des pièces de rechange sur les autres pompes près du motel. Alors, j'ai juste une question. Il n'y a pas d'électricité. Et tu te demandes... Ensuite... Ensuite, tu te dis, tiens... La pompe est grand rad, elle aussi. Un robot adore se loger dans les pompes. Tu ferais mieux d'exterminer celui-là pour récupérer l'élément dont tu as besoin. Ah, t'as trouvé le boîtier de vitesse? Je te jure, ces machins-là, c'est le rugissement félin des contrées sauvages. C'est une expression du coin. Va le connecter au reste. On va pas le connecter tout de suite, hein, on va bien... D'abord récupérer bon, ceci. La valve dont on a besoin est juchée tout en haut de la pompe. Du coup, pour la choper, tu vas devoir grimper à ce truc comme un chimpanzé toxicomane défoncé au slag. Bon, moi, c'est sur V, hein, c'est pas sur souris. Hein. La patata n'a rien à faire sur ma souris. C'est un bouton hors norme. Y'a les chieurs de skag qu'on touche à la pompe. Trouvez-leur la pompe. Ah, t'as le bidule à vapeur. Cool. Avant, ces pompes utilisaient une technologie différente. Mais y'a eu des plaintes. Alors ils ont changé. Genre, dans ces contrées, y'en a qui en ont quelque chose à foutre des plaintes. Je vais parier le rein qui me reste que tu peux trouver un condensateur en état de marche. Ouvre le boîtier électrique et prends le bidule. Il lui reste qu'un rein. Damn. Non! On dirait que les skags ont boulotté le condensateur des pompes à vapeur! Va défourailler du skag jusqu'à ce que tu tombes dessus! Trouvé! Bah voilà! C'est le condensateur dont j'avais besoin! Hé, hey, question bonus! Tu trouves ça bizarre que je sache le moment exact où tu ramasses un truc? Et tu sais que je peux te voir au WC? Attends, je veux pas te mettre mal à l'aise, hein! Je te parle d'espionnage au WC en toute amitié! Ouais, enfin bref, branche-moi tout ce bazar! Non, là je vais pas faire de crégasme, c'est pourri. Cela dit, j'aurais pas eu de pompe Teddy Or, je m'en serais équipé. Hein. Teddy Or, c'est une valeur sûre, les gars. Yeah, on dirait que t'as tout ce qu'il faut pour réparer cette pompe à vapeur. Branche-moi ces bitonios. Et le tableau des prix sera aussi remonté à bloc qu'un athlétola du conflit dont les parents ont des attentes irréalistes. Mais du coup, je peux hard snipe. Genre. Bonk. Ouais, je peux hard snipe. Ah, c'est cool. Premier état. Le condensateur.
Ensuite, le boîtier de vitesse. Et pour finir, la pièce maîtresse, étant donné qu'elle sera en haut de cette tour. La pompe est prête à fonctionner. La valve à vapeur. Fait jaillir les étincelles. Yes. Complet. Le panneau des primes. Le tableau des primes devrait être rechargé maintenant. Active-la et tu devrais avoir accès à un tas de nouveaux boulots. Secoue-toi les puces. Le panneau des primes du motel Happy Pig est fonctionnel.